C'est un grand Covid. Les gens qui attendent. Déjà été vacciné là, on attend 15 minutes avant de bouger. On a déjà été vacciné là, on attend 15 minutes. Obligatoire. 15 minutes d'attente obligatoire avant de bouger. Je pense que les gens, c'est une précaution pour les gens qui ont des allergies, qui peuvent avoir une allergie par rapport à ce vaccin qu'ils ont reçu. Alors, je suis à 13h, à 13h15, je suis libre, un homme libre. Après, ce sera le deuxième vaccin dans 2 semaines. 2 semaines, ça fait pratiquement la fin du mois. Hein. Bien. Ouais, je crois à la fin du mois, au début du mois de... On est là au mois de mai, là. On va au mois de juin. Ouais. Donc, c'est ça, quoi. Je vois ce qui va se passer parce que il y a beaucoup de choses qu'on entend par rapport à ce vaccin. Notamment sur les effets secondaires. C'est-à-dire après... Après que le vaccin soit administré, il y a, n'est-ce pas, des réactions qui ne sont pas très confortables, comme le bras qui fait mal, la fièvre, on est fatigué, on a l'air d'être malade, mais en réalité on n'est pas malade. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais bon. C'est bien de pouvoir se protéger contre cette maladie qui a fait des ravages. Il y en a qui sont sous terre aujourd'hui, qui auraient, n'est-ce pas, souhaité avoir la chance que nous avons de nous vacciner. Et ceux-là sont décédés aujourd'hui parce que, justement, ils n'étaient pas vaccinés. Et mal leur en a pris. Et donc, pour ceux-là qui sont réticents, par rapport au vaccin, c'est un choix. Hein. Personne n'est obligé de le faire. Personne ne vous obligera de le faire. Mais bon, quand tout le monde sera vacciné, ce n'est qu'en ce moment que le Covid va cesser de faire des victimes. Quand nous avons là une opportunité de nous protéger, de protéger notre famille, de protéger nos amis, de protéger la communauté contre cette maladie qui fait vraiment des ravages un peu partout dans le monde. On est là, c'est le Banin de Lingui depuis le centre de vaccination à Manchester, England. Manchester, England. Là, il y a un médecin qui est là comme superviseur. Il y a un secouriste qui est là en vert. C'est le secours. Bon, c'est quelqu'un de. Un ambulancier, un médecin. Et puis il y a les dames qui vaccinent de l'autre côté là-bas. Les infirmières qui font la vaccination de l'autre côté là-bas, c'est tout. Et le tout est là. Sir, sorry, you can't video because okay. There are other people here who. Okay. Yeah. Okay, thank you. Là, me dit que je ne peux pas faire la vidéo, donc je suis obligé de couper la vidéo là.